Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre homme serviteur irritant. Nouvelle vidéo. Nous sommes midi, donc j'aimerais juste vous partager cette vidéo-là. Bon, vous savez, j'ai des personnes qui m'écrivent. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent. Je ne sais pas si ce qu'elles disent est vrai ou faux, mais j'aimerais qu'on se bouge. Vous savez pourquoi je dis ça? Et cette vidéo-là, elle est pour toutes les fans. Excusez-moi, pour tous les fans des Didier Arafat et des Bordeaux. Les amis, on doit créer l'espace le 29 décembre là. On doit créer l'espace le 29 décembre là, pour que les gens arrêtent de mettre les yeux sur ces deux artistes là. Voilà, je vous explique pourquoi. On me dit qu'il y a des personnes qui sont prêtes à boycotter, qui sont prêtes à tout, ce que vous-même vous n'imaginez pas, pour que ce concert n'ait pas lieu. Et même si ce concert a lieu, il y aura peut-être de pire. Je vous parle sérieusement, hein. Je ne parle pas pour vous faire peur, mais je vous dis simplement ce que les gens me disent. Je ne cherche pas à savoir si c'est faux ou c'est vrai, mais tout est dans notre main. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais, ça seulement, j'ai de bons retours, vous réservez les tickets. Mais on doit manifester notre amour à ces deux artistes-là le 29 décembre. On doit lancer un message même dès le 28 à la sortie de la bande de Didier Arafat. Les amis, c'est Dieu le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui peut décider de la suite de quelque chose. C'est lui qui peut permettre tout. C'est pourquoi je vous dis, Ariel Chiné et Safara Le Bien ne sont pas un problème. Et puis, un truc que j'ai dit, il y a certaines personnes qui ont des foutaises. Et les amis, mes passes là, ce n'est pas vous qui payez pour moi. Le temps que je prends quelques minutes pour faire des vidéos là, ce n'est pas vous qui me dites, viens t'asseoir pour faire des vidéos. Je parle de qui je veux. Moi, je n'ai pas de problème avec Ariel Chiné et puis Safara Le Bien. Je vous ai déjà dit dans ma vidéo, lorsque Mola avait annoncé les concerts, que je vais faire la promotion de les concerts. Voilà, parce que c'est pas une menace pour moi. Safari Lobiang et Ariel Chiné ne sont pas une menace pour le 29 décembre. Entre vous et moi, c'est vous qui donnez de l'importance à ces petits, mais c'est moi qui donne de l'importance à ces petits. Justement, c'est parce que j'ai pas peur que j'ai dit, je vais faire la promotion. Arrêtez d'être carré un peu dans la tête là, quand tu parles trop de. Je vais parler de dans toutes mes vidéos. Si tu es trop fâché, tu ne regardes plus mes vidéos. Faut arrêter un instant quand même. Hé, hey, quoi? Quoi, arrêtez de parler. Ce sont pas des artistes ivoiriens. Ce sont pas des artistes ivoiriens. Les petits cherchent à manger. Quelqu'un veut leur donner l'argent, il aura dit que non, toi ton argent est sale, il ne mange pas. L'argent n'a pas d'odeur, on dit. Hein. Donc laissez les petits là où ils sont. Je vais parler de comme je veux. C'est vous qui leur avez de l'importance. C'est vous qui avez peur d'eux. Sinon, moi, je n'ai pas peur d'eux. Aïe! On parle de Safari Le Bien et Ariel Chiné, on dresse des gens, ils ont déjà eu des problèmes avec Didier Arafat ou bien des Bordeaux. Ils ont déjà eu quel problème avec Didier Arafat et des Bordeaux. Arrêtez d'être sorcier un instant là. Moi, je vais parler d'eux. Vous finissez pas énervé quand même. En fait, j'ai changé le sujet de ma vidéo. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Moi, je vous ai déjà dit, c'est parce que vous-même là, qui vous plaignez, là, vous n'allez pas payer les tickets, vous n'allez pas venir au concert, c'est pourquoi vous nous emmerdez. Sinon, quand tu sais que tu vas payer les tickets, tu sais que tu as au moins 4 amis ou 5 amis, tu peux payer 5 tickets là. Ton cœur ne coupe pas, tu te concentres sur ton concert. Moi, je parle de tout le monde. Ce que je fais pour ce concert-là, toi tu fais, toi tu critiques, tu passes ton temps à commenter, là toi tu fais, faut pas parler d'eux, faut pas parler, je vais parler d'eux. Bien, fais chier quand même. Ah. Arrêtez un peu. Donc j'aimerais dire, pour revenir au sujet, pour dire que quoi, ce concert-là il dépend de nous. Voilà, arrêtons toutes les considérations. Moi quand j'ai fait ma vidéo hier, beaucoup l'ont mal interprété, mais c'était juste des conseils que je donnais. Voilà, c'était juste des conseils que je donnais. Rien d'autre plus que ça. Voilà, parce que. Souvent, avant de commenter, réfléchissez un peu pour analyser tous les contours. Voilà. J'ai rien contre Ariel Chiné, j'ai rien contre Safara Le Bien. Moi, je fais cette vidéo-là juste pour vous dire que on me dit qu'il y a des gens qui veulent boycotter notre concert. Et je ne pense pas que le concert du 1er janvier, c'est pour nous boycotter. Non. Dis jamais que c'est même pas la même date. Donc, soyez tranquille. Le plus important, là, au lieu de penser à ce qu'on nous boycotte là, payez vos tickets, payez vos cartes bleues. Recharger là et acheter la bombe le 28 et venir au conseil le 29. C'est tout ce qu'on demande. Le reste que vous dites à côté là, c'est des détails. C'est que des détails, ça ne compte même pas. Parce qu'il y a l'impression que la peur, même, ça vient de vous. Moi, je n'ai pas peur en fait. Moi, je suis très objectif et je suis clair dans ce que je dis. Ariel Chiné, s'il y a 100 promoteurs qui veulent vous inviter à faire un conseil, faites-le. Ça ne va rien changer. Mais moi, tout ce que je vous demande, surtout à vous deux, c'est de prier Dieu pour que votre succès dure. S'il ne dit pas, c'est même qui vous encourage aujourd'hui à se moquer de vous demain. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si on ne tenait pas compte du commentaire de certains fans qui sont pas
trouver des spirites qui sont très coincés. Oh, des spirites là, ne faites pas attention, menez votre carrière. Tout comme ça, c'est Dieu qui décide de tout. Ce n'est pas un être humain qui décide à la place de chacun. Vous comprenez un peu, non? Donc, ceux qui se plaignent là, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est je n'ai pas envie de la fermer, je vais parler mal, c'est de vous taire, chercher votre argent, payer votre carte bleue et la recharger pour l'album de Didier Arafat, réserver beaucoup de tickets. Voilà. Parce que quand tu dis que tu aimes ton artiste, qu'il y a peut-être qu'il y a un frère sans cœur au quartier qui n'a pas l'argent pour payer un ticket, tu peux payer pour lui aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on dit on veut nous boycotter. Et moi, je sais que si on se manifeste, si on se mobilise tous, nous tous les fans là, on va casser l'Ivoire Golf Club. Et puis, je sais, je suis confiant qu'on va, on va casser ce coin-là. Parce que je sais que après nous, on dirait qu'il y a des concerts. Mais les gens ne vont pas reconnaître un peu l'état des lieux. Après, on fait ça mauvais, mauvais même. En déterrer, s'il y a des arbres dans le coin, on va déterrer ça. Ça ne sera pas du jeu. Soyez confiants, ne vous attendez pas sur les détails. Si moi, je parle de ça, par exemple, il y a Réchine, ça ne gêne pas. Ce sont des artistes ivoiriens. Ce sont des artistes ivoiriens, ce sont des jeunes artistes ivoiriens qui font aussi la fierté de la culture ivoirienne. Moi, c'est le fait qu'on les compare qui me gêne souvent parce que je me dis, bon, c'est vrai que tu es arrivé, tu as un petit succès, mais il ne faut pas te mélanger. Reste toujours dans ta place et puis mène ta carrière. Voilà ce que je dis. Et puis beaucoup ont mal interprété. Donc, les amis, franchement, je compte vraiment sur vous. En tout cas, j'ai de bons retours. Les tickets sortent. Dieu merci. Mais arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de critiquer Safari Lobiang. Arrêtez de critiquer Ariel Chiné. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont jamais eu de bobo avec nos artistes. Bien au contraire, ils les respectent énormément. Donc, arrêtez ça. Ces jugements gratuits, là. Arrêtez-les. Changer d'esprit, hein? Pensons autrement la chose. Comment faire réussir notre concert? Comment faire la promotion de nos artistes? C'est à ça qu'on doit penser. Les injures. Et arrêtez de rabaisser aussi les autres collègues de vos artistes. C'est pas ça l'objectif de mes vidéos. Moi, j'ai à la base réconciliateur. Je prône toujours l'union. Voilà, je prône toujours l'union. Donc, pensez comme moi. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de critiquer. Parce que je vous dis un truc. Nos pensées deviennent des faits. Je ne me rappelle plus du philosophe qui l'a dit, mais c'est vrai. Toute chose physique a d'abord été pensée avant de voir le jour. Si on veut rentrer dans la religion, le monde a été pensé avant de voir le jour. Vous comprenez un peu? Donc, si vous pensez tout le temps que tout le monde est contre vos artistes, effectivement, le naturel s'active. Hein? Le naturel s'active. Le naturel, il s'active. Et puis, il crée des ennemis autour de nos artistes. Ignorons ces ennemis-là. Ignorons-les. Concentrons-nous sur le 28 et le 29 décembre. Ce sont les deux dates importantes pour nous en cette fin d'année 2018. Ce sont les deux dates importantes pour nous en cette fin d'année 2018. Ne restons plus sur les détails. Les détails ne nous arrangent pas. Les détails ne nous font pas avancer. On dit on veut nous boycotter. On entend et nous on agit. Quand je parle de nous les fans. Arrêtons de nous plaindre. Didier Arafat et Debodo, ils nous regardent. Ils nous regardent. Moi en tout cas, je suis confiant parce que je sais que je serai à ce concert-là avec ce que j'aime, avec ma famille, mes amis. Maintenant, vous qui vous plaignez là, moi je vous demande simplement de ne plus vous plaindre. Vous pouvez peut-être prier pour votre concert. Vous voyez un peu, prier pour le concert, faire des jeûnes pour le concert. En tout cas, pensez que le concert, les sorciers là, ils vont mourir de leur propre poison. Ils vont mourir de leur propre venin. On ne pense même pas à eux. Ils ne comptent même pas. Soyons sereins. Parce que moi, je suis superbement serein. Je suis très serein. Et puis arrêtez. Arrêtez ce que vous savez là. C'est-à-dire, à vous, à part Didier Arafat de Bordeaux, on ne doit pas parler de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va chez vous, les amis? Un instant. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que quand vous réfléchissez comme ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est censé ce que vous pensez là? Il faut arrêter, les amis. Tant qu'on va rester dans ces raisonnements-là, Dieu sera toujours contre nous. Là, je vous dis ça clairement. Mais tant que tu procures du bien, quel que soit le mal qu'on te fera, tu triompheras toujours. Je le clame dans toutes mes vidéos. Je le clame dans toutes mes vidéos. Et puis, il y a aussi un minimum de respect pour les gens comme nous qui prennent du temps pour faire des vidéos pour nos artistes. On n'est pas parfait. Souvent, on dit des choses qui sont bien. Souvent, on dit des choses qui ne sont pas bonnes. Mais arrêtez un instant.
faisons la promotion de nos artistes et de notre concert. 29 décembre, 28 décembre, ce sont les dates où on doit agir. Voilà, c'était mon message du jour. Partagez la vidéo si elle vous a plu. On est ensemble.